sont perdus, tu te donnes sans fin. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que la voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie, sans rien garder. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que ta voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie, sans rien garder. Qui nous envoie partager notre histoire, faire briller ta lumière. Jésus, nous irons avec toi annoncer l'évangile jusqu'au bout de la terre. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que ta voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie, sans rien garder. Salut les frateux, ça y est, dernière journée de ce frat chez nous, ça y est, c'est la dernière journée, il est comme d'habitude 10h et c'est bien sûr le Morning Frat, l'émission qui réveille tes frateux. Et en fait c'est les et pas tes, voilà, c'est juste une petite syntaxe. Bref, aujourd'hui, plein de choses, plein de choses. Et d'ailleurs, je suis super motivé aujourd'hui. Franchement, ça y est, je suis rentré dedans. C'est vraiment top. Et j'ai trop envie de parler au Père Gauthier. Je ne sais pas s'il m'entend. Père Gauthier, tu es là? Ouais, salut Eric, je t'entends bien. Comment ça va aujourd'hui alors? Ah, mais top! Mais franchement, merci. Merci de tous tes conseils et tout. Franchement, c'est trop cool. Et franchement, j'ai essayé de les suivre. Mais vraiment, à la lettre, déjà. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai rangé ma chambre. Oh là là. J'ai retrouvé des trucs et tout qui dataient et tout. Et là, tout est bien rangé, tout est bien classé. Tac, tac, tac. Ça y est, c'est fini. Pour l'instant, je ne suis plus procrastinateur. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est fait. J'ai même pris du temps pour Dieu. Et franchement,
J'ai envie qu'il soit encore plus présent dans ma vie. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais toujours prendre du temps pour lui et ça c'est sûr. Et maintenant il reste à tenir sur du long terme toutes ces petites résolutions. Tu sais c'est compliqué. Parfois on se dit voilà allez on va essayer de faire ça et là par exemple aujourd'hui je suis super heureux mais j'ai peur que ça revienne tu vois. Et donc du coup je me dis c'est pas gagné. Mais bon hier. Tu vois, je faisais une interview avec un évêque et je me disais, lui au moins son âge, tu vois, il a tenu ses promesses, il a tenu ses engagements et tous ses combats sont maintenant derrière lui. Mais est-ce que moi je me dis, est-ce que moi je serais capable, tu vois, de faire comme lui? Est-ce que je vais réussir à les tenir? Et je me dis, c'est pas évident, quoi. T'as raison. T'as raison d'être intimidé par les combats à mener. C'est vrai que quand on regarde la vie de ceux qui sont plus âgés que nous, on se dit qu'ils ont la chance d'avoir déjà fait ce que nous, on a encore à faire. Et du coup, c'est toujours hyper effrayant. Mais une manière de se rassurer, c'est toujours de regarder derrière et de voir ce qu'on a déjà fait. Et tu vois, même si tu es jeune, tu as déjà vécu des combats de dingue. Quand tu regardes tout ce que tu as dû relever comme défi depuis ta naissance, ne serait-ce que le combat d'arriver dans le monde, d'apprendre l'altérité, de comprendre qu'il y a d'autres personnes que toi, d'apprendre le langage, d'apprendre à marcher, d'apprendre à bien parler, d'apprendre à être en interaction sociale avec les autres, d'aller à l'école, d'apprendre à lire. Tu vois, toutes les choses de dingue que tu as déjà vécues, c'est déjà énorme. Et du coup, ça te permet de te dire que tu es beaucoup plus fort que ce que tu crois. On est toujours plus fort que ce qu'on croit. Et surtout, pour réussir à se motiver en se disant qu'il ne faut pas s'effrayer de l'avenir, il faut se dire que tous les choix qu'on pose et toutes les choses qu'on veut conquérir, c'est la joie qui va nous permettre de les tenir. Tu vois, si on essaye de vivre des défis, par exemple, si on fait des études, si on fait des études pour rien, juste comme ça, c'est impossible, parce que c'est pénible de faire des études, ça saoule tout le monde, c'est impossible. Mais par contre, si tu te dis, je fais des études parce que j'aurai la joie d'en tirer du fruit, d'avoir le métier que je veux, d'être dans un monde qui me plaît, etc., si on vit les choses comme un défi pour la joie qu'on en tirera, alors c'est une motivation énorme. Et alors, on se rend compte qu'on est capable de tout faire. Et c'est ça qui nous permet de ne pas être effrayé face à demain, tu vois. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, tout ce qu'on fait, c'est un sens, c'est un but, et ça fait vraiment du bien de savoir que tout ce qu'on fait, on en bave, mais c'est pour un but. Mais tu sais, c'est exactement comme Jésus sur la croix. Là, on est dans la semaine sainte et on va vers Pâques et donc vers le sacrifice de Jésus sur la croix. Imagine-toi, Jésus, il fait ce chemin de croix. C'est quelque chose d'extrêmement, enfin, d'absolument difficile et héroïque. Mais précisément, il va se motiver, parce qu'il lui faut une espèce de motivation intérieure complètement folle, un feu intérieur qui nous dépasse complètement pour pouvoir aller jusqu'au bout. Eh bien, il a cette motivation parce qu'il sait que ce qu'il vit, alors que c'est plein de souffrances, eh bien, il le vit pour le plus grand bien possible. Et donc, c'est le bien, c'est-à-dire la vie même, qu'il va donner sa propre vie, mais pour notre vie à nous, eh bien, cette motivation fait qu'il va jusqu'au bout, tu vois. Il a cette motivation à l'intérieur de lui. Ouais, d'accord. Bon, ça c'est Jésus, c'est hyper loin de moi, ça. Tu vois, tu me dis que Jésus, c'est loin de toi. En fait, pas tant que ça. Jésus, il a cette motivation de la croix qui est non pas une volonté de succès, non pas une volonté de victoire, mais c'est d'abord une volonté d'amour. Et ça, l'amour, on l'a tous en nous. Alors ça fait un peu phrase bateau, je sais bien. Ouais, l'amour est en nous, je sais pas quoi. Non, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement puissant en nous. Si on agit en vue du bien de l'autre, si on agit en vue de notre propre bien, c'est ça, l'amour, si on agit pour se donner à l'autre ou pour donner du sens à notre vie, eh bien, on ira toujours au bout de nos défis. Et si on arrive à le penser comme quelque chose de véritablement fort en nous, alors on y arrive. Tu vois, dimanche, on a parlé de foi. Je t'ai parlé de la foi qui est un malgré tout. Hier, on a parlé d'espérance, qui est qu'il faut croire que nos actions ont un sens même quand elles sont toutes petites. Et ben, aujourd'hui, en parlant d'amour, en parlant de cette énergie fondamentale, on comprend que tous les défis sont possibles. Et la foi et l'espérance trouvent leur sens dans l'amour, qui est au début de nos actes, je vais agir par ce que j'aime, et surtout à la fin de nos actes, je vais mener à bien mes conquêtes parce que je veux aimer plus, mieux, je veux m'aimer moi, je veux aimer l'autre, je veux aimer Dieu. L'amour, c'est ce qui nous permet de tout donner.
Et tu sais, cette phrase de Jésus qui est absolument décisive pour notre foi, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Cette phrase, elle nous dit que notre vie n'a de sens que dans la mesure où elle est donnée. C'est ça, aimer. Eh bien, il faut le vivre au jour le jour par des petites choses, comme on a dit les jours précédents. On garde ça en tête et c'est ça qui nous permet d'aller au bout de nos défis. Faut pas avoir peur de l'avenir. Chaque jour permettra l'expression de cet amour et chaque jour permettra d'aimer mieux, d'aimer plus, d'avoir une vie plus belle et plus grande. T'inquiète pas. Ouais. En fait, c'est tout un programme, quoi. Mais oui, mais tu vois, c'est ça le frat. Le frat, c'est pas te donner tout cuit dans le bec. Le but du frat, c'est de te proposer un programme, de te proposer une idée, c'est-à-dire une espèce de projet, quoi, si tu veux. Et c'est à toi ensuite de le faire. Le frat, il fait pas les choses à ta place. Il te propose des choses, c'est une proposition, et ensuite à toi de la prendre. Et du coup, là, tu vois, il y a ce frat online, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, on a essayé les uns et les autres, chacun chez nous, de vivre un peu, mais l'idée, c'est de prendre cette énergie et d'essayer d'en faire quelque chose. Donc, essaye de vivre au jour le jour dans la suite de ta vie, foi, espérance, amour, et c'est ça qui te permettra d'être heureux. Ok, mon père, j'y vais essayer. On se retrouve l'année prochaine à Lourdes, en chair et en os. T'as intérêt, ouais. Yes, et merci beaucoup pour tous tes conseils. Franchement, ça m'a apporté beaucoup et je pense que ça a apporté grave aux jeunes. Merci beaucoup, Eric. Prends soin de toi et à l'année prochaine, à très bientôt. Ciao. À l'année prochaine, ciao, père. Et oui, les jeunes, ça y est, dernière journée de ce frat. Donc, je vous invite à vivre vraiment tous les moments qu'on vous propose sur frat.org. Et d'ailleurs, juste après, c'est bien sûr le défi du jour. Et le défi du joueur, attention, c'est un défi exceptionnel. C'est refaire la friche du frat avec les moyens du bord. D'accord? Donc, vous pouvez prendre un stabilo. Vous pouvez prendre une bougie. Vous pouvez prendre une tomate dans la cuisine. Vous pouvez prendre un coussin. Très sympa. Tu peux prendre, hop, un DVD, un deuxième DVD, un troisième DVD, un quatrième DVD, un cinquième DVD. Un sixième DVD, tu peux prendre plein de DVD. Tu prends tout ce que tu veux et le but du jeu, c'est de refaire l'affiche du frat. Vraiment, avec, tu peux même prendre une couette, hein, une ampoule, tu fais ce que tu veux, mais vraiment, faut que ce soit le plus créatif possible. Tu me l'envoies avec donc le hashtag frat2020, soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit sur Bebop. Voilà, Bebop, demande à tes parents, te diront ce que c'est un Bebop. Voilà, ensuite... le thème de ce frat, donc de la playlist du frat, c'est bien sûr aujourd'hui prier. Donc on va rechanter toutes les chansons avec le thème prier. Il y aura Push, Glorious, Agapé, Sandrine Conman et Nomad. Et ce sera donc la playlist chrétienne chantée. Et d'ailleurs, je vais vous chanter une petite chanson. Voilà, c'est mon petit kiff. Attention. Parce que je suis dans la joie. Donc du coup, je vais vous chanter, je suis dans la joie. Je vais essayer de le faire en fa dièse. Yes. Ding. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je n'entends pas les frateux. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car mon Dieu m'a libéré. Ouais. Yes. En tout cas, je vous entends vous chanter très 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 bien. Ensuite, 15h30, c'est bien sûr le chapelet en direct des sanctuaires de Lourdes à la grotte de Massabielle. Voilà, donc vivez, hein, c'est le dernier moment, donc allez-y, hein, d'accord, sur print.org. Et quant à nous, on se retrouve ce soir à 17h pour le dernier live frat. Hein, ça y est, c'est déjà le dernier. Plein de surprises, des cadeaux, des surprises, une émission encore une fois exceptionnelle. Voilà, vous invitez tous vos potes et on regarde et vous allez vivre ce dernier frat. À bientôt. Salut !